Il était sur la ligne. Nous, on le va faire. Ok. Comme ça ou comme ça? Voilà, ouais, non, quand je vais aller, je vais vous donner la pression qu'il faut pour qu'on puisse voir. D'accord. Bon, maintenant, ce qu'il faut, on ne joue pas dans la tristesse. Et là, des fois, il faut sourire là, en, tout en jouant. D'accord. Voilà. Voilà. C'est bon. Voilà. C'est bon. An lamɛnbɛn ni samɛ fɔli ni seli donya ba in na a sera a dan na nka an bɛna ɲɔgɔn to yen ni duma laban kelen ye o tɛ dɔwɛrɛ ye o ye tumani ye tumani min dara an ka tubani jabate ni orchestre symétrique fɛ halisa aw samɛ sanbɛ. La chanson Toumani est un hommage que le Symétrique Orchestra m'a rendu à moi personnellement Toumani, à toute ma famille, à tous mes amis, chantée par Soumaïla Kanouté, une des étoiles montantes de la musique malienne aujourd'hui. Et les cuivres faits par Piwi, qui est l'arrangeur saxophoniste de James Brown. Et si l'Afrique de l'Ouest ou le Mali était une personne vivante, les griots seront le sang qui coule parmi les veines. Je suis griot de père en fils. Mon feu père, c'est dit qu'il y avait été père en son âme. Griot aussi. Donc cette tradition, comme j'ai dit, depuis le 13e siècle jusqu'à nos jours, elle a été suivie de père en fils, de père en fils, de père en fils, de père en fils. Mon père, père son âme, il fut nommé roi de la Kora en 1977 au FESPAC du Nigeria. Moi, étant son premier fils aujourd'hui, Dieu merci, j'ai pu quand même développer aussi de mon côté, c'est-à-dire le jeu, les techniques de la kora simultanée, c'est-à-dire jouer, faire la basse, l'accompagnement et le solo à la fois. Je commence par la basse, vous voyez? L'accompagnement. J'improvise maintenant. J'ai commencé à jouer à la kora à l'âge de 5 ans. Je n'ai pas eu de maître, je n'ai pas eu de professeur. Mais j'écoutais quand même aussi les cassettes de mon père, de mon frère et de mon grand-père Amadou Bansan Diobaté et d'autres musiciens aussi, et d'autres joueurs de kora du Mali et de la Guinée-Conakry et de la Gambie. Mais éventuellement, j'écoutais aussi des orchestres comme les ambassadeurs du motel, le Rai Band. J'écoutais aussi le Bembeya Jazz de la Guinée. Et j'écoutais Otis Redding, j'écoutais Jimi Hendrix, Johnny Hallyday, etc., etc. Donc j'ai pensé qu'il faut, il faudrait ouvrir une porte universelle pour la kora.
Dans la musique du symétrique, la base même, c'est la kora. Ce qui fait que l'accompagnement de la kora faite par la main droite, alors c'est ce qui est très généralement repris par la guitare rythmique. Et la basse aussi sur la chorale, jouée par la main gauche, c'est cette basse qui est embellie, qui est reprise par une basse électrique. Et les improvisations sont départagées entre les ngonis, le balafon, etc., etc. Symétrique orchestral, on parle tout de suite de Mali Sadio. C'est tout d'abord une chanson d'amour. Une chanson d'amour à la fois une déchirure. Une déchirure, c'est une séparation. Parce que ça parle de l'histoire entre un hippopotame et le village de Bafoulabé. Il y avait tellement de l'harmonie qui s'est passée entre l'hippopotame et la population de Bafoulabé que l'hippopotame a été tué. Et sans qu'on se rencontre, et ça a vraiment fait beaucoup de peine pour le village. Parce que vous savez, le nom Mali, dans la langue mandingue, c'est l'hippopotame. Ces musiques prennent leur source ici au Mali, puisque le roi, pendant l'Empire mandingue, vivait au Mali. C'était l'Empire du Mali. Le monde d'aujourd'hui est tout à fait différent du monde de 1800. Aujourd'hui, cette musique qui paraît, nous avons besoin de montrer ce rôle des griots d'une manière plus moderne et bien développée, mais tout en respectant les instruments que nous avons, tout en respectant la musique que nous avons, mais d'une manière moderne qui répond aux critères d'aujourd'hui dont le monde a besoin. Symétrique signifie une complémentarité en matière technique. Et c'est aussi une rencontre des instruments traditionnels, mandingue, les instruments modernes comme la basse, la batterie. Boulevard de l'indépendance à Bamako, c'est ce boulevard où moi, personnellement, Toumani, je suis né. Et c'est le point, en fait, pour aller dans toutes ces régions, dans tous ces pays de la sous-région, c'est-à-dire aller en Côte d'Ivoire, il faut passer par le boulevard de l'indépendance, il faut passer par ce rond-point qui est là. Pour aller au Burkina Faso, il faut passer par là. Au Ghana, jusqu'au Nigeria, au Niger, même pour aller au Sénégal, c'est un point où, à partir de là, tu peux aller à la gare pour aller au Sénégal.
symétrique orchestra, c'est une reconstruction de l'empire mandingue culturellement. L'idée, c'est ça. Dans le symétrique, il y a des Sénégalais, il y a des Gambiens, il y a des Maliens, il y a des Guinéens, il y a des Burkinabés, des Ivoiriens, etc., etc. Boulevard de l'indépendance est un album du Symétrique Orchestra qui a été entièrement enregistré au Mali pendant une durée d'une semaine avec la possibilité d'un studio mobile. Vous savez, la musique, pour moi, c'est comme un fleuve. Quand on a soif et qu'on s'approche au bord du fleuve, on ne peut boire que l'eau qu'on a besoin pour éventuellement se désaltérer. Mais on ne pourrait jamais boire toute l'eau du fleuve. Ken budum yow me da khide ta fami dem na